Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et c'est parti, un philosophe, une grande idée. Aujourd'hui, Épictète, la pro-RSIS. D'abord, quelques mots sur l'auteur, car les grandes créations de l'esprit humain sont des arbres qui ne peuvent s'élever dans le ciel des idées qu'en plongeant leurs racines dans le sol bien concret d'une certaine situation personnelle et historique. Alors Épictète, c'est un philosophe de l'Antiquité grecque. C'est un peu difficile pour nous parce que c'est très éloigné de notre façon de concevoir le monde en général. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un esclave, et d'ailleurs Épictète, ça veut dire esclave. Donc son maître l'a acheté et lui a donné comme nom l'esclave. C'est un peu comme si tu achetais un chien et tu l'appelais le chien. Bon, on voit bien déjà le mépris de classe. Et son maître était réputé pour être très bête et très cruel. Mais Épictète, lui, le suivait et donc finalement s'enrichissait dans l'ombre de son maître. Parce que lui, il assistait à des pièces de théâtre, des conférences de philo, mais bon, il était con comme un bac à sable. Donc il n'en tirait pas tellement profit. Et Épictète, lui, il a suivi des cours de stoïciens notamment. Alors les stoïciens, c'est une école de pensée grecque. Ça vient de stoa qui veut dire le portique. Pourquoi? Bah parce que les mecs, ils se réunissaient sous un portique. Et pourquoi ils ont choisi un portique plutôt qu'un chêne ou un buffet à vaisselle? Bah parce que le portique, ça a comme avantage d'être imposant. Et vous allez voir que c'est une philosophie qui impose énormément de choses si on veut la suivre. Et c'est grand, ça nous tire vers le haut, et surtout c'est stable. Un portique, ça ne s'effondre pas quand il y a un petit peu de vent. Donc c'est une philosophie de la stabilité, de la grandeur et de l'élévation. Oui, les stoïciens, être stoïque aujourd'hui, ça veut simplement dire « Ouais, garde tes nerfs, reste calme ». C'est un peu ça, mais en bien plus profond, nous allons le voir. Donc il était devenu stoïque et il maîtrisait notamment donc, ses pensées, ses émotions et ses sensations. L'un des jeux préférés de son maître, c'était de péter les tibias de ses esclaves. Faut bien un passe-temps. Et donc, un jour, il a pris Épictète, il a commencé à taper avec, on pense, une pierre sur sa jambe. Et Épictète, qui était donc devenu stoïque, c'est peut-être une légende, hein, c'est l'Antiquité grecque. Hein, bon. Il a dit à son maître, très calmement, « Fais attention, tu vas la casser, ma jambe. » Ça a étonné énormément son maître, mais surtout ça l'a énervé. Vous savez, c'est un peu comme avec les frères et sœurs ou les couples, quand t'as envie de t'énerver, tu sais pas pourquoi, t'as envie d'être en colère, parce que t'es malsain. Et en fait, l'autre, il veut pas se mettre en colère. Il dit, oh ben dis donc, tu dois être triste pour me parler comme ça. C'est pas rigolo, nous ce qu'on veut, c'est que ça fight. Bon, donc là, c'est pareil, son maître, il a dit, tu vas cogner un moment, quoi. C'est ça qui lui plaisait, lui, c'était que l'autre gémisse, le supplie d'arrêter. Et donc, Épictète, calmement, lui disait d'arrêter parce qu'il allait casser la jambe, ce qui est assez contre-productif quand on a un esclave. Et le maître, continuant à taper sur sa jambe, Épictète, à un moment, lui a dit, bah, tu vois, elle est cassée. Du coup, il a été affranchi. Son maître s'en est séparé en disant, ouais, ok, d'accord, moi, je suis malsain, mais toi, ah, t'es pire. Donc, voilà, casse-toi. Et comme Épictète ne savait pas faire grand-chose à part philosopher, eh bien, il est devenu, si on veut, professeur de philosophie. On venait le voir, on notait ses paroles, on devait lui donner aussi de l'argent ou à manger. On savait qu'il avait une constitution assez fragile, d'ailleurs. Et donc, le manuel d'Épictète et les entretiens d'Épictète sont ces réponses que Épictète donne à des gens qui viennent le voir parce qu'ils sont malheureux. Et donc c'est assez étonnant parce que on a l'impression des fois qu'il est assez assez distant, froid, qu'il ne ressent pas la souffrance des autres, ce qui est une erreur sur le stoïcisme, hein, on voit souvent ça comme ça, mais non, le stoïcien ressent bien la douleur des autres, c'est juste qu'il ne veut pas en être forcément imprégné comme nous et il ne définit pas le bonheur comme nous, c'est ce que nous allons voir. Alors, qu'est-ce que la pro-RSIS chez les stoïciens? Épictète, mais aussi Marc Aurèle, Sénèque, qui tu veux. Alors, c'est un mot qui est très difficile à traduire. On l'a traduit de plein de manières en français. Conscience, conscience morale, liberté, libre arbitre, volonté, représentation, gré, au sens bon gré, mal gré. Bref, il y a plein de traductions possibles. Alors, la meilleure, d'après un de mes amis qui a fait une thèse sur le stoïcisme, ce serait précisément peut-être le gré, au sens où on n'accepte pas. Donc en fait, c'est un pouvoir propre à l'homme qui serait un pouvoir d'attachement ou de détachement par rapport aux choses qui se passent. On ne peut pas demander ça à un caillou, on ne peut pas demander ça à un animal, c'est action-réaction ou c'est inertie. Nous, les humains, on peut s'attacher ou se détacher des choses. Pour faire simple, quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui est pessimiste, quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui est athée, il pourra toujours tout voir. Du point de vue optimiste, du point de vue pessimiste, du point de vue croyant, c'est Dieu qui l'a voulu, du point de vue athée. Bon.
et tu pourras jamais le faire changer d'avis. C'est infalsifiable, comme disait le philosophe et scientifique Popper. Tu peux pas lui prouver que c'est bien ou que c'est mal. Quelqu'un, il peut lui arriver les pires emmerdes dans la vie, il est toujours optimiste. Il y en a d'autres, bah, il leur arrive jamais rien de mal, mais ils sont pessimistes. Bon. Alors, notre regard sur le monde n'est pas quelque chose qui appartient au monde. C'est ça la pro-RSIS. Autrement dit, il faut distinguer, alors ça tu l'as à chaque page chez les stoïciens, ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous. Alors vous allez me dire, c'est une très mauvaise opposition parce que c'est quand même peu nuancé. Il y a aussi ce qui dépend de nous, mais pas totalement. Alors par exemple, moi, que je sois né en 1975, ça dépendait pas du tout de moi. Que je sois en train de faire le couillon là avec mes doigts, ça dépend totalement de moi. Que je sois plus ou moins musclé, ça dépend de moi, mais pas de ouf, parce que ça dépend si je fais du sport. Alors on va tout palier, tout ça, et on va tout remettre en deux catégories. C'est radical, mais c'est efficace. Il y a ce qui dépend de moi à 100% et il y a ce qui dépend pas de moi, que ce soit à 1 ou à 99%. Du coup, tu te rends compte que finalement, il n'y a pas grand-chose qui dépend totalement de toi. Parce que bah, l'apparence, pas totalement, le passé non plus, l'avenir non plus, la culture non plus, l'intelligence non plus, ça dépend de ton cerveau, de ton organisme, de la culture à laquelle t'appartiens, de la famille qui t'a élevé. Si t'étais né à Trappes dans les années 70 ou à Neuilly dans les années 30, tu penserais pas du tout la même chose, tu t'habillerais pas pareil, t'aurais pas les mêmes goûts, t'aurais pas les mêmes sentiments, les mêmes zones de confort, les mêmes idées, les mêmes objectifs. Bref, qu'est-ce qui dépend totalement de moi une fois qu'on a retiré tout ce qui dépend pas de moi ? Bah, rien. Alors rien, ça serait plutôt du Spinoza, je crois que je fasse un truc là-dessus aussi. Chez les stoïciens, il reste un truc qui est totalement dépendant de moi. C'est ma façon de voir ce qui ne dépend pas totalement de moi. C'est ça la pro-RSIS. C'est le pouvoir d'attachement ou de détachement par rapport aux choses qui ne dépendent pas de moi. Il faut se représenter le monde, ça c'est très grec, hein, comme une grande pièce de théâtre cosmique dans laquelle on n'a pas choisi notre rôle. Alors toi, t'es pas content parce que tu dis bah ouais, mais moi voilà, je suis un simple écuyer et puis je voudrais être roi. Mais tant que tu joues mal ton écuyer parce que tu boudes, parce que tu voudrais être roi, et ben finalement t'es pas dans ton rôle. Et un bon acteur, hein, on le sait tous, il faut qu'il aime son rôle au point de s'effacer derrière son rôle parce que ça devient une seconde nature. Donc quand t'es roi, t'as pas de raison de te la péter parce que t'es roi, c'est juste ton rôle. Peut-être qu'après tu vas devenir simple clochard. Et quand t'es simple écuyer, joue bien ton rôle d'écuyer, c'est la seule chose qui dépend totalement de toi, c'est pas d'être écuyer ou pas, c'est de bien jouer ton rôle ou pas. Et peut-être qu'un jour tu seras roi, super. Donc nous, dans le monde, c'est pareil, on doit jouer notre rôle et l'accepter, donc accepter le destin, la mort fatie même, comme on dit parfois, ça c'est chez Nietzsche, l'idée que la vie est une grande pièce de théâtre tragique, et non seulement il faut l'accepter, mais peut-être même l'aimer. Alors là, c'est une forme de grande sagesse. Et donc, une fois qu'on a mis de côté tout ce qui ne dépend pas de nous pour être heureux, bah pour être heureux, il en faut peu, hein, comme dit l'autre, mais c'est en fait hyper difficile, c'est de se détacher de tout notre attachement matériel et affectif. Pour nous, être heureux, c'est avoir la santé, des amis, de l'argent, des projets, des choses qui nous lient affectivement ou matériellement au monde. Pour les stoïciens, ce à quoi il faut s'attacher, c'est à son propre détachement par rapport à cela. C'est ça la pro-RSIS, c'est ce pouvoir, mais c'est pas facile, hein. Il le dit tout le temps, souviens-toi que, rappelle-toi que, c'est un travail à faire sur soi-même, surtout des occidentaux consuméristes, capitalistes comme nous, il y a une forme de sagesse asiatique là-dedans, hein, de zen si on veut, c'est la quiétude par rapport à l'inquiétude, mais nous on kiffe trop d'être inquiet, on aime bien dire « ah je sais pas trop et peut-être que demain, arrête, tu te rappelles ce qu'il m'a fait hier », etc. Donc on est tout le temps dans cette espèce de divertissement malsain par rapport au temps présent et par rapport à une forme de distance à ce qui nous arrive, et les stoïciens justement ils cultivent cette forme de sagesse que l'on retrouve notamment aussi chez les samouraïs, chez les bouddhistes, et puis si vous voulez de la pop culture, bah Yoda Star Wars, et ben dans Star Wars, dans les 6 épisodes, ouais pour moi il y en a que 6, hein, il y a que 6 premiers, après c'est plus Star Wars, dans les 6 premiers il se passe plein de choses, il y a des choses horribles, on tue des enfants, on détruit des planètes avec plein d'innocents, et la seule personne qui ne reste pas troublée par tout ça, et d'ailleurs vous remarquerez, la seule personne qui n'évolue pas du tout dans le film, c'est Yoda. Yoda, c'est un stoïcien. D'ailleurs Jedi, ça vient de Jedi, les samouraïs qui sont empreints de bouddhisme, qui ressemblent beaucoup au stoïcisme. Donc dire que Yoda est stoïcien, c'est pas délirant. Je pense même que c'est voulu, hein, par les auteurs du film. Et vous mettrez pas ça dans une copie de bac. Mais n'empêche qu'il n'y a rien de grave dans Star Wars. Il y a des planètes qui explosent, il y a des gens qui meurent, ok. Mais il n'y a rien de grave, parce que ce qui serait grave, c'est que Yoda pète les plombs. En gros, que Yoda soit comme nous, parce que nous, on aurait pété les plombs.
Hein, plein de fois, on serait mis en colère, on serait devenu dépressif dans son marécage, on se la serait pété dans ses palais luxueux. Eh ben non, Yoda, il se la pète pas dans les palais luxueux, il devient pas dépressif dans les marécages, il ne ressent pas les choses comme nous, mais il ressent les choses. Hein, des fois, il a deux doigts de pleurer. Et puis, peut-être, il y a une très belle expression comme ça, il dit « tu peux pleurer, tu as un corps, tu as des glandes lacrymales, tu as un cerveau avec un cerveau mammalien, tu peux pleurer, mais pas intérieurement. » Tu peux pleurer parce que c'est physique, ça fait du bien, voilà, mais intérieurement, tu dois rester distant des choses, pas insensible. Parce que d'ailleurs, si Yoda était insensible, il ne formerait pas des padawans. Si Épictète était insensible, il ne ferait pas des entretiens avec des gens pour leur expliquer comment être plus heureux. Hein. Parce que c'est préférable, alors ça c'est la grande théorie des stoïciens, la dernière que je vous donne pour expliquer la progressis, la théorie des préférables. C'est qu'il est préférable d'être en bonne santé que d'être malade. Il est préférable d'être sur une plage à bien s'amuser que d'être dans une prison enchaînée. Mais comme le dit les stoïciens, ce qui arrive à bon corps, c'est juste préférable. En fait, tu peux très bien être dans une prison et avoir l'esprit libre. C'est pas préférable, mais tu peux quand même être heureux intérieurement par la quiétude. Vous avez ça dans un texte, c'est Lateranus qui dit ça, un stoïcien. Il dit « tu peux enchaîner ma jambe, mais moi tu ne peux pas m'enchaîner ». Je sais, ça a des limites, oui, évidemment, c'est un peu dualisme, l'esprit et le corps, mais c'est pas bête, c'est que tu ne peux pas avoir, alors comme dirait l'autre, ma liberté de penser, tu peux pas avoir mon esprit. Tu peux m'obliger à t'épouser, tu peux pas m'obliger à t'aimer. Tu peux pas avoir mon esprit. Et donc, à moins de me droguer, mais du coup, c'est plus mon esprit qui est là, puisqu'il est troublé, c'est comme quand je rêve, évidemment, je ne choisis pas de quoi je rêve, mais mon esprit conscient éveillé, il est inaliénable. Et donc, si j'ai décidé de ne pas être troublé par ce qui arrive, je ne serai pas troublé. Si j'ai décidé de m'attacher à mon seul détachement, je le peux. Et c'est exactement ce que fait Yoda pendant les 6 épisodes. Il est toujours lui-même, il est toujours cohérent, il est toujours solide comme un portique. Il est notre guide, ça a l'air simple, et comme les choses les plus simples sont souvent aussi les plus compliquées, je vous laisse sur cette belle méditation.